Alors, que le Seigneur soit béni. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Et voilà, Dieu est grand. Moi, j'ai une question en fait. Alors, c'est sur le domaine de la dénonciation. Y a-t-il des conditions, on va dire, géographiques? Je m'explique. En fait, j'ai lu quelque part que finalement, on pouvait être d'accord pour dénoncer des personnes qui sont dans un domaine un peu international et Qui sont aller. connus internationalement. Voilà. D'accord. Mais que par contre, finalement, là où tu te trouves, là, je pourrais m'opposer. Alors, ma question, c'est de savoir, la dénonciation est-elle basée finalement sur le péché? Ou y a-t-il d'autres critères qu'on ignore et qui sont écrits dans la Bible finalement? En fait, on va prendre les Écritures, parce que quand on va dire aux frères et sœurs, aux gens, qu'il faut dénoncer plutôt ceux qui sont internationalement connus et pas ceux qui ne sont pas connus, donc là, ça fait, c'est de l'injustice. Hein? Dieu est juste. Jésus a dénoncé à la fois, mes amis, dans son équipe, hein? Il a dénoncé les gens de son équipe. Quand il a dénoncé, quand il a dit race d'incrédule, hein, si le Seigneur ne voulait pas que cela soit écrit, il aurait dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Et ce qui est marrant, c'est que depuis des années, mes frères et sœurs, on veut que je change de message. Les gens viennent, ils m'approchent comme des brebis, c'est des loups cruels. Et oui, on s'est fait avoir dans le passé. Ça, je ne veux pas le. Je le reconnais. Oui, on s'est fait avoir, comme Jean pouvait le dire. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, je ne suis pas le premier. Et oui, mais avec le temps, on voit les œuvres des uns et des autres. Dans Matthieu 17. Et nous lisons à partir du verset 14. Matthieu 17, verset 14. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha et se mit à genoux devant lui. Et lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus répondit et dit, ô race incrédule perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Voilà. Donc là, Jésus est en train de traiter d'incrédule. Hein, et de, n'est-ce pas? Et donc il le dit, hein, ô race incrédule et perverse. Donc il qualifie ses propres disciples d'incrédules et de perverses. Maintenant, si Dieu ne voulait pas que cette partie-là soit lue aujourd'hui, on ne l'aurait pas mise à la portée de tout le monde. Donc il dénonçait aussi à l'intérieur. Et il dénonçait tellement à l'intérieur, dans son propre groupe, qu'il dira que certains disciples dans Jean 6, on va le voir, Jean chapitre 6, et on va aller vers la fin. Voilà, voilà. Voilà, donc, 60, voilà, on va lire à partir du verset 60, 65 par là. Voilà. Et voilà. Donc je crois que on va descendre encore un peu. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, il dit, regardez bien, à partir du verset 61, voilà, c'est ça. Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? C'est pas moi qui l'écris, hein. Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais le verset 64, il dit, mais il y en a certains parmi vous qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et celui qui le trahirait. Donc il le savait. Et voilà, on continue. Il leur dit donc, c'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent et ils ne marchèrent plus avec lui. Et Jésus dit aux 11, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les douze, et toutefois l'un de vous est un diable. » Vous vous rendez compte? L'un de vous est un diable. Mes amis, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il a été choisi, il était là aussi comme un apôtre. Donc on nous dit que plusieurs l'ont abandonné. Pourquoi? À cause de la parole. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Ils l'ont dit, les disciples, là. N'est-ce pas? Ils murmuraient même. Hein? Est-ce qu'on l'a lu, le passage où on a dit que on va, verset 60? Heureusement que les Écritures sont là, mes amis. Gloire à Dieu. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Ses propres disciples, ils ont dit c'est dur, ils ont voulu changer le message de Jésus. Même Pierre, hein, quand le Seigneur dit qu'il allait mourir, Pierre a dit non, il le prend de côté, viens, tu ne vas pas mourir, à Dieu ne plaise. Ah non, il a dit littéralement, aie pitié de toi-même. Ah non, il ne faut pas parler comme ça Jésus, il ne faut pas prêcher comme ça, il faut changer ton message, parce que personne ne va t'écouter, il faut que tout le monde t'écoute. En gros c'est ça, tu ne seras pas écouté, tu ne seras pas compris de tous, donc il faut que tu changes ton message. Jésus avait un message très dur, frères et sœurs. Les disciples ont dit, cette parole est dure, c'est pas moi. Cette parole est dure. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il fallait manger sa chair, boire son sang, parce qu'il disait qu'il est écrit, vous avez appris, mais moi je vous dis. Voyez, un nouveau message, un message qui choquait. Eh bien, les religieux qui l'ont suivi, Jésus, hein, les disciples, il y a même un apôtre. Et ils ont changé de message parce qu'ils ont voulu écouter la foule, ils ont voulu suivre tout le monde. Non. Voilà, donc, voilà, ici David pour répondre à ta question. Donc d'abord, le Seigneur Yeshua dénonçait d'abord lui-même ses propres disciples. Et ensuite, il va dénoncer les pharisiens. Et on le voit dans Matthieu 23, et race de vipères, c'est fort ce qu'il disait ici. Il y a même un pharisien qui va l'inviter chez lui. Et Jésus ne se lave pas les mains. Et on nous dit que le pharisien était étonné de voir le Seigneur ne pas manger sans s'être lavé les mains. Et le Seigneur va commencer à le dénoncer chez lui. C'est-à-dire, il y avait certainement ses enfants, sa femme, et il va commencer à le dénoncer. Et un de chefs dira, mais en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu outrages. Et le Seigneur, vous pensez qu'il va s'arrêter là? Il se tourne vers ce docteur de la loi, il dit aussi, hypocrite. Hein? Donc, on peut même le prendre dans ce passage-là, je crois, là, parce que je pense que ça va aider beaucoup des frères et sœurs. Parce que, vous savez, quand on a des lunettes dénominationnelles, des lunettes complètement opaques, hein, sur le plan spirituel, on va interpréter la parole du Seigneur n'importe comment. Nous sommes dans Luc, chapitre, je crois que chapitre 11. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà, verset 37. Comme il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Quelle erreur pour ce monsieur qui ne voulait pas changer. Il entra et se mit à table. Mais le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas premièrement lavé avant le dîner. Mais le Seigneur lui dit, vous autres pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleine de rapines et de méchanceté. Insensé. Comment un monsieur qui t'invite chez lui, tu vas le traiter d'insensé devant sa famille, devant ses invités? Et ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Ce n'est pas le Jésus religieux qu'on nous a prêché, hein, plein de grâce, qui ne dit rien, qui un Jésus cool, quoi, light. Hein. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt à nos mondes ce qui est dedans, et vous, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes d'herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, tout ça. Et on continue, et continue, il dit, hypocrite. Hein? Le gars, Jésus, on l'invite chez quelqu'un, il est en train de dénoncer ce monsieur chez lui. Et regardez le verset 45. Alors, un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, maître, en disant ces choses, tu nous outrages aussi. Jésus va s'arrêter ici? Non. Et il dit, malheur à vous aussi, docteur de la loi, car vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous-même, vous ne les touchez pas, vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, quand vous bâtissez les sépulcres des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous y prenez plaisir, car eux, ils les ont tués, et vous, vous bâtissez leurs sépulcres. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils les tueront les uns et persécuteront les autres, afin que le sang de tous les prophètes qui a été répandu dès la fondation du monde soit redemandé à cette nation.
depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui fut tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis qu'il sera redemandé à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché ceux qui entraient. Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui adressant des pièges et cherchant à tirer quelque chose de sa bouche afin de l'accuser. Voilà. Donc voyez bien que celui que nous suivons tous, Jésus-Christ, voyez comment il a fonctionné. Il dénonce ses propres disciples. Il dénonce les chefs religieux. Mais avec force, on l'invite chez lui, chez quelqu'un, pardon, et il le dénonce. Et il dénonce également ses autres invités. Et à la fin, ben, ils ont voulu carrément, ils ont été très violents vis-à-vis de lui. Et moi, c'est ce Jésus-là que je veux. Voilà. Ce n'est pas le Jésus light qui dit, soi-disant, qu'il faut dénoncer ceux qui sont connus internationalement et ne pas dénoncer ceux qui sont à l'intérieur ou ceux qui ne sont pas connus. Alors, la parole est claire là-dessus. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, effectivement. Voilà. Et Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces mêmes personnes hier disaient « Ah, nous sommes touchés par ce message. Hein, ça fait des années que je dénonce le mal. » nous sommes touchés. Et une fois sur place, ça commence à, c'est un peu trop dur, il faut changer un peu, il faut mettre un peu de l'eau dans ton vin. Ah non, je ne mets pas de l'eau dans mon vin, l'eau que j'ai, c'est l'eau de la parole. Donc l'eau qui purifie. Voilà. Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. Voilà, donc la lumière manifeste tout. On ne peut pas se taire, il faut condamner, dénoncer. Mais ce n'est pas parce qu'on dénonce qu'on n'a pas l'amour, au contraire. C'est parce qu'on veut que les gens changent de vie. Voilà, et dénoncer, on dénonce parce que les gens, quand ils n'arrivent pas à changer, ils ne veulent pas changer, ils continuent à dépouiller les âmes du Seigneur, eh bien on les expose. Et ce monsieur, quand je suis parti, parce que là, je vous dis mes amis, là, il y a beaucoup de choses, hein. On va dénoncer les ténèbres. Ce monsieur, je pars au Gabon en mission, m'envoie un email pour me dire non, il ne faut pas dénoncer ce pasteur de Kinshasa qui se masturbe, ce pasteur de Kinshasa. Je lui dis, parce que Dieu lui a dit soi-disant, hein, j'ai reçu qu'il ne faut pas dénoncer ce monsieur en prière. Ah bon? Parce que j'ai l'email, hein. Tout ça, là, on peut vous le montrer. Je l'appelle pour lui dire, mais écoutez, Dieu t'a dit, tu as reçu qu'il ne faut pas que je dénonce ce monsieur qui couche avec des femmes, qui dépouille les gens, qui danse nu sur Internet. Alors que ce monsieur couche avec des femmes d'autrui, prend l'argent des frères. Ah là, bon. Et là, il me répond, ah bon. Je ne savais pas. Ah donc, c'est ma chair. Et j'ai l'email. Oui, il m'envoie l'email pour me dire, merci pour ton indulgence. Je ne veux plus t'embêter avec mes histoires, ces histoires-là. Tout est écrit. Heureusement que quand nous dénonçons les gens, j'ai les preuves. Et les autres, là, quand ils vont dire, Chora est financé par un tel, mais amenez-moi les preuves. Chora a une maison. Déjà, si j'ai une maison, c'est écrit dans quelle Bible qu'avoir une maison, c'est un péché. Prouvez-moi, dénoncez-moi avec des preuves en me disant, là on t'a attrapé dans un hôtel avec une femme, là on t'a attrapé, tu as construit 10 villas, 14 000 villas avec l'argent du Seigneur, avec mon argent que tu me dois, avec des preuves. Mais non, arrêtons le cinéma. Ça c'est très puéril, c'est très enfantin à cause de la jalousie. Les chrétiens sont matures, ils voient clair. Ils sont éclairés, ils sont libérés. C'est fini la manipulation et c'est fini. Et mes amis, quand je reviens, je dénonce ce monsieur. Effectivement, je reviens de la mission, donc à l'époque du Gabon, je dénonce ce monsieur et des frères et sœurs étaient effectivement libérés. Libérés. Et ce monsieur, tout le temps qu'il est resté ici, il ne m'a jamais demandé de ne pas dénoncer qui que ce soit. C'est du mensonge. À part ce monsieur de Kinshasa qui se masturbait. Et encore là, il a dit que Dieu lui a dit qu'il ne fallait pas que je le fasse. Mais moi, j'ai la Bible qui a déjà tout dit. Un Dieu qui contredit sa parole n'est pas le Dieu de la Bible. Non, pas du tout. Les œuvres des ténèbres doivent être dénoncées. Les gens qui se servent de mon nom pour dire qu'on est avec Chora et derrière, ils prennent les âmes, ils couchent avec les âmes du Seigneur, eh bien, je dois les exposer. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et je vous dis, mes amis, s'il faut montrer ces emails-là, on va les montrer avec des preuves. Voilà. Donc le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon et que le Seigneur soit béni. Jamais, je dis bien jamais, je ne changerai de message et je le dis que je suis un homme seul, je crie seul dans le sens où et je ne veux plus effectivement, comme le Seigneur me l'a fait comprendre, laisser quelqu'un venir enseigner tout le temps comme avant parce que ce monsieur qui se permet de dire que c'est lui qui a apporté l'équilibre au sein de cette vision, de ce service. Quel équilibre? Ce n'est pas Dieu qui apporte l'équilibre. Tu nous as trouvé, tu es venu à 6 ans, on t'a formé.
Tu as été nourri ici. Avant 6 ans, il y a quelques années quand j'ai commencé, qui a porté l'équilibre ici? Cette œuvre que tu es venu trouver ici, avec toutes ces âmes délivrées dans le monde entier, tu n'étais pas là? Quel équilibre tu as apporté? Tu n'as rien bâti ici parce que je te confie un travail à faire. Je t'ai appelé pour te dire, assis-toi, tu ne vas plus prêcher à la télévision parce que avec ton collaborateur qui est à Montpellier, vous avez créé une société qui avec plus de 500 employés avant de nous connaître. Et aujourd'hui, cette société a fait faillite. Ton collaborateur t'envoie des emails pour te demander le remboursement de plus de 900 000 euros que vous avez emprunté à la banque française. Et tu es, à cause de ça, dans la dépression parce qu'il faut te rembourser cet argent. Et je te dis, avec ça, à cause de cet argent que tu dois, avec la pression que ce monsieur te met, et avec aussi ce que j'ai découvert après, quand tu enseignes, quand ce monsieur enseigne, qu'on peut mentir sous la pression, les étudiants d'Idasco l'ont témoigné, certains, je ne sais pas, je pense que vous étiez au courant de cela, qu'on peut mentir sous la pression comme Rahab. Je dis, mais ça, c'est quelle doctrine ça? Et je l'ai appelé pour lui dire, tu ne veux plus ne prêche plus sur tes vœux de vie. Voilà. Et le lendemain, je reçois un email. Oh, je quitte ton ministère. Ah ben, personne ne quitte personne parce que tout le monde est autonome. Voilà, depuis des années, je dis que je suis seul. Donc, beaucoup des frères et sœurs ont vu clair. Beaucoup des frères et sœurs ne sont plus dupes. La vérité sera proclamée, la vérité sera annoncée avec force. Et vous savez, ma vie, je l'ai sacrifiée au Seigneur, consacrée au Seigneur pour la vérité biblique, pour que les frères et sœurs soient, n'est-ce pas, éclairés. Donc, je ne suis pas prêt d'abandonner jusqu'à mon dernier souffle. J'annoncerai la vérité, j'annoncerai Christ, la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oui, la dénonciation, David, est bel et bien biblique. Paul a dénoncé Hyménée. Paul a dénoncé Alexandre le Forgeron. Et c'était pas des gens qui étaient connus internationalement. Hein. Il les a dénoncés. Paul a dénoncé Démas. Il dit Démas m'a abandonné parce qu'il a aimé le présent siècle. C'est écrit dans ces lettres-là. Ces lettres, on les lit aujourd'hui. C'est écrit, il a dénoncé publiquement. Eh bien, il n'était pas connu mondialement. Voilà. Donc, c'est tout à fait biblique de dénoncer le mal qui se vit. Et vous allez voir souvent ces gens-là, ils vont s'associer avec les gens qu'ils ont dénoncés hier. Ils vont s'associer, ils vont se partager les vidéos. Mais c'est les auteurs du même plumage. Voilà. Ils m'ont approché pour que je change de message. Je ne changerai jamais de message. Ça fait des années que je dénonce le mal. Ça fait des années que je dénonce le péché. Et il y a des gens qui ont retrouvé mes vidéos qui datent de 2001. Quand j'ai fait une conférence croisade à Kinshasa, il y a des frères qui m'ont dit, mais depuis toutes ces années, tu dénonces comme ça? Je leur ai dit, mais bien sûr, parce que beaucoup pensent que c'est nouveau. Depuis près de 20 ans. Et voilà quelqu'un qui arrive il y a 6 ans et qui veut que je change de message pour ses beaux yeux. Jamais du tout. Jamais. Et la grâce, ce n'est pas le fait de fermer la bouche. Jésus qui a dénoncé les gens avec beaucoup de force. N'est-il pas le Dieu de grâce? Voilà. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui tombent dans le péché, qui confessent véritablement et qui sont délivrés et qui travaillent dans l'œuvre ici et là, qui se sont véritablement repentis. Et jamais, jamais je ne changerai de message. Je continuerai avec ce message-là, même s'il faut faire de la prison. Ça, je l'ai toujours dit. Jamais, jamais et jamais. Donc, dénoncer les faits, le péché des gens, c'est tout à fait biblique. Et c'est effectivement des gens qui pratiquent le mal, qui pratiquent le mal et qui se servent du Seigneur pour faire leurs affaires. Ce sont ces gens-là, effectivement, qui sont fortement dénoncés au nom de Yeshua.